ce qu'on appelle pour moi la classe moyenne, ceux qui sont en situation difficile, il faut mettre en place des formules adaptées pour chaque type de famille. Quand vous avez un enfant, quand vous avez deux, trois, quatre enfants qui fréquentent les écoles, quand vous devez payer l'accueil, pour ceux qui travaillent, qui doivent payer l'accueil du matin, les centres de loisirs, la cantine, les centres de loisirs pendant les vacances, c'est un coût qui n'est pas négligeable. Donc on va mettre en place des forfaits pour ce cas-là. Et la mesure phare, pour moi, ce sera le tarif unique pour la cantine, à 1 € pour tous. Voilà, ce sera une de mes mesures que je vais proposer. Ça a été proposé par le gouvernement pour des mises en place dans certaines écoles. Moi, je veux vraiment le mettre en place. On va faire du loisir éducatif autrement. C'est possible, avec les mêmes moyens, avec des animateurs qui seront vraiment formés à ce niveau-là. Voilà, c'est quand même une mairie. On peut dire, c'est pas de notre faute, c'est les parents qui assurent pas ou qui éduquent pas bien leurs enfants. À un moment donné, il faut être sérieux. Nos enfants fréquentent nos écoles. Et donc, nous, en tant qu'élus, on paye déjà des animateurs, des animatrices, on paye des ATSEM, tout ça. On va les aider. Renforcer leur statut, parce que pour moi, c'est important, le rôle des ATSEM. C'est un mouvement associatif, sportif, culturel, parce que c'est eux qui font la cohésion sociale. Pour le soutien scolaire, on a déjà les associations qui font le travail sur la ville. On va mieux les accompagner. Je pensais au BAC, par exemple, mais il y en a d'autres. Mesdames, Messieurs, je vous remercie infiniment pour votre écoute et vous pouvez applaudir encore une fois notre candidat. Comme vous avez pu le voir, ce sont justement les paroles d'un homme expérimenté. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Eladj, donc je suis gérant d'auto-école et j'habite sur la résidence La Pama. Madame Kerdouche Zega Linda. Bonjour à tous, Linda Kerdouche-Zega, je suis professeure au lycée Alfred Nobel et j'habite au quartier du Rue Nouveau. Il fête bientôt son anniversaire, le plus jeune, Ayoub Lawedj. Donc Ayoub Lawedj, bientôt 20 ans, le 23 décembre. Mais en tout cas, je suis étudiant en droit à l'université de Créteil et j'habite sur le Haut-Clichy au niveau de Jean Moulin. Donc voilà. J'appelle Madame Diombera Meimouna. Alors bonsoir à tous, je m'appelle Meimouna Diombera. Je suis auxiliaire de vie depuis 14 ans. Et voilà. Monsieur Accouturier Marc. Bonsoir messieurs dames, je suis monsieur Accouturier Marc, je suis technicien chez Darty depuis de longues années et j'habite à Clichy-sous-Bois. Zaïd Nadia. Bonsoir à toutes et à tous, Nadia Zaïd, j'habite le quartier du Chêne Pointu, je suis chargée de mission Habitat Privé pour le territoire. Monsieur Blaise Gérard. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Blaise Gérard, j'habite La Colline, quartier de La Colline, mais j'ai aussi habité à l'Orangerie et au Bois du Temple. Je suis animateur territorial en charge d'un service jeunesse. Madame Célique Fatma. Bonsoir à tous, je m'appelle Céline Fatma, donc je suis gérante d'entreprise et j'habite à la résidence Château de la Pelouse. Monsieur Nazir Ashfaq. Bonsoir à tous, je m'appelle Nazir Ashfaq, je suis contrôleur ODF, je suis surtout au Clichy. Bino
Bruno Nadine. Bonsoir à tous. Je m'appelle Nadine Pinault. Je suis retraitée il y a peu de temps. J'habite Clichy-sous-Bois, quartier Castillon-République. Monsieur Benama Mounir. Bonjour à tous. Je m'appelle Mounir Benama. J'habite dans la résidence Salvador Allende. Je suis chauffeur livreur. La Moyenne-Sion Virginie. Bonsoir, alors je suis mademoiselle Moyenne-Sion Virginie. Je suis mère au foyer et j'habite la résidence, résidence Veuvelin des Gérards à Clichy-sous-Bois. Monsieur Segui Abelkrim. Bonsoir à toutes et à tous, avec Krim Sayeri, j'ai 53 ans, marié, père d'un enfant. Donc j'habite le quartier des Limites, dans le quartier pavillonnaire, entre l'école primaire Pasteur et l'école Jean Massé. Merci. Madame Krief Sarah. Alors, je m'appelle Sarah Krief, donc j'habite le quartier de la Colline. Je suis nouvelle sur Clichy-sous-Bois et je suis formatrice et consultante en qualité, hygiène, sécurité et environnement. Monsieur Marna Diata. Bonsoir à tous, monsieur Marna Diata, chargé de recrutement dans un cabinet parisien et j'habite à la Pama. Madame Zayat Salima. Salima Zayat, j'ai 21 ans, je suis actuellement étudiante en licence de droit et j'habite au quartier du Renouveau. Monsieur Diba Téré Amadou. Bonjour à tous. Je suis Amadou Diba Téré, j'ai 31 ans, je suis professeur de mathématiques et j'habite le quartier du Hameau. La Medjali Anissa. Bonsoir à tous, Anissa Medjali, 20 ans, étudiante en licence de droit à l'UPEC et j'habite le Bas Clichy, résidence Vallée des Anges. Monsieur Setkaoui Lotfi. Bonsoir à tous. Setkaoui Lotfi, 35 ans, transporteur logistique, habite à la résidence Sévigné. Merci à tous d'être venus. Madame Elousine Fouzia. Bonsoir, moi c'est Fouzia Elousine, je suis enseignante d'histoire et géographie ici sur ce territoire au collège Louise Michel et j'habite à la résidence de la Duisse. Monsieur Kaya Selatine. Bonsoir à tous,
m'appelle Salatin Kaya, j'ai 33 ans, je suis technicien de maintenance, j'habite à la résidence de Jean Moulin. Pino Angélique. Bonsoir à tous, je m'appelle Valverem, je suis responsable maintenance au Leclerc de Clichy-sous-Bois depuis 18 ans et je suis sur Clichy-sous-Bois aussi. Donc, si vous avez des questions sur le programme, n'hésitez pas, il y a deux tables à disposition qui seront là et un cahier de doléances aussi. Je vous remercie. Et pour les personnes. Il y a un peu de couleur.